Brousseau. Et je fonctionne délégué officiel de la LFA. Mon rôle, c'est d'abord de prendre contact avec tout ce qui est dirigeant du club local, comme on vient de voir le président, tout ça. Après, de mettre en place tout ce qui est sécurité, hein, de faire le lien après avec les arbitres, et surtout m'occuper de la sécurité extérieure du terrain. Et faire le lien, le relais, entre la Ligue et les clubs. Je suis tombé sur un gars qui était président de la commission, je m'excuse mais je ne me rappelle plus son nom malheureusement, qui m'a dit tu devrais faire, tu es à l'éducation nationale, tu es habitué à parler et tout ça, tu devrais venir faire délégué. J'ai découvert cette fonction et ça m'a permis de rester dans le football et d'avoir contact, beaucoup de contact avec énormément de gens, plus intéressants, plus ouais, mais en principe énormément intéressants. Voilà le résumé de ma petite carrière. Délégué, j'ai envie de dire, c'est comme un arbitre, hein, il est aussi important que nous quand on arrive au stade. On arrive au stade, il est déjà là, c'est lui qui nous accueille. On rentre dans nos vestiaires, il y a les maillots. Enfin, j'ai envie de dire, c'est, pour nous, c'est royal, on n'a pas besoin de courir après les maillots, la tablette, tout est fait. Donc, dans cette fonction-là, et puis enfin, pour moi, c'est tout aussi important que nous. C'est-à-dire que dans notre déroulement du match, ça nous met à l'aise de suite et dans de bonnes conditions. Oui, on est quand même un rouage essentiel pour le fonctionnement, pour le bon fonctionnement d'une rencontre, pour le bon déroulement d'une rencontre. On est un rouage essentiel. Si on ne prépare pas le match comme il faut, il peut y avoir des dysfonctionnements. Les gens peuvent dire « ouais, mais il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça ». Il faut le faire sérieusement comme il faut. Voilà. C'est comme un quatrième arbitre, pas un quatrième arbitre, parce que c'est, on va dire ça, c'est un délégué, mais on a une totale confiance en lui. C'est lui qui va nous gérer un peu les coachs et qui va dire « bon, attention, on reste dans les limites du raisonnable, là vous dépassez un peu les limites ». Une fois qu'on a pris l'habitude d'avoir un délégué, c'est très très difficile de s'en passer. Parce qu'il nous sécurise vachement dans notre avant-match, après-match et dans la relation avec les équipes. Oui, honnêtement, ça fait un grand plaisir de retrouver le terrain, hein, c'est sûr. Et puis bon, et ça complique, et puis ça nous complique un peu plus la tâche ce Covid. Parce qu'il bon, faut mettre en place aussi le contrôle Covid. Ce n'est pas dans notre ressort, c'est pas nous qu'on le fait, mais on assiste. Moi, le rôle primordial, c'est le relationnel. C'est le relationnel avec toutes les composantes de la rencontre. Pour moi, c'est le plus important. Et c'est, si on ne peut passer par faire du relationnel, il ne faut pas venir faire délégué, ce n'est pas la peine.